Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction d'exercice numéro 7 du chapitre numéro 9 dérivation. L'exercice D, soit f une fonction définie et dérivable sur R étoile telle que son tableau de variation. La première question, déterminer l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale à 0. La deuxième question, déterminer l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0. La dernière question, déterminer l'image de l'intervalle i, l'intervalle 0, 2, semi-ouvert à gauche, par f. La première question, déterminons l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale à 0. D'après le tableau de variation de la fonction f, on remarque que l'image de 2 par la fonction f égale à 0 et l'image de 7 par la fonction f aussi égale à 0. Cela signifie que l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale à 0 est l'ensemble qui contient les deux nombres 2 et 7. Ici, faites attention. Ici, l'image de moins 4 par f' égale à 0 et l'image de 7, pardon, de 5 par f' égale à 0. Attention de confondre f' égale à 0 et f égale à 0. La deuxième question, déterminons l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0, toujours d'après le tableau de variation. On remarque que sur l'intervalle moins l'infini 0, f admet une valeur minimale 1, c'est-à-dire que toutes les valeurs sont supérieures ou égales à 1. Et par suite, supérieur ou égal à 0. Donc, sur cet intervalle, f est positif. Aussi, sur l'intervalle 0, 2, toutes les valeurs sont positives, supérieures ou égales à 1. Alors, f est positive sur cet intervalle. Aussi, sur l'intervalle 7 plus l'infini, f est positif, supérieur ou égal à 0. Alors, d'après cela, on conclut que l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0 est S égale. L'intervalle ouvert moins l'infini 0, il est ouvert en 0 car f n'est pas défini en 0. Union 0, 2, fermé en 2, car l'image de 2 égale à 0. Donc 2 vérifie cette inéquation. Union 7 plus l'infini, fermé en 7. Car l'image de 7 égale à 0, 7 vérifie cette inéquation. La dernière question, déterminons l'image de l'intervalle i, l'intervalle 0, 2, semi-ouvert à gauche, par la fonction f. D'après le tableau, on remarque que l'image de l'intervalle i, c'est-à-dire l'image de l'intervalle 0, 2 par la fonction f, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0, car l'image de 2 égale à 0. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.